crie vers toi. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. Nous reprenons cela comme une prière. Fermez les yeux et parlez à Dieu sincèrement. Lorsque ça ne va pas, je m'appuie et je crie vers toi, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi. Et je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse. Seul espoir, Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Nous sommes le chant, toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi, nous sommes le chant, toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Peace.
relevé des cendres, tu viens à nous, tu nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par fort, ni par puissance, mais par ton esprit.
seul espoir, Seigneur. Transformez-moi en un genre qui est ouvert. Moi, viens y présenter.
Qui a fait expérience ça, qui a fait expérience ça dans la présence de bon Dieu. Pendant que nous, devant bon Dieu, nous avons demandé pour capable de rencontrer avec nous, pour capable de bénir nous, eh bien, je dis, il y a une bagaille que moi-même avoir, nous devons concentrer sur lui. C'est notre consécration et c'est pour nous capables de faire bon Dieu confiance. Et nous allons aller lire dans, vers Jésus, la confession, entendez la confession, sa confession, bien la donner du livre vers Jésus. Écoutons cette portion. Vers Jésus, chapitre 4, la confession. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les conditions auxquelles Dieu accorde sa miséricorde sont simples, justes et raisonnables. Le Seigneur ne demande pas de nous des choses pénibles en retour du pardon de nos péchés. Il n'est pas nécessaire d'entreprendre de longs et durs pèlerinages ou de se soumettre à des mortifications pour gagner la sympathie du Dieu des cieux ou expier nos transgressions. Celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient miséricorde. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, dit l'apôtre. Confessez vos fautes à Dieu qui seul peut les pardonner. Et confessez-vous mutuellement vos torts. Si vous avez offensé votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître et le leur de vous pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin parce que le frère que vous avez blessé est la propriété de Dieu. En l'offensant, vous avez péché contre son Créateur et Rédempteur. Le cas est alors porté devant l'unique médiateur, notre grand souverain sacrificateur, qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, Amen. Qui est touché du sentiment de nos infirmités et parfaitement à même de nous purifier de toute iniquité. Ceux qui ne sont pas humiliés devant Dieu, en reconnaissant leur péché, n'ont pas encore rempli la première condition de la réconciliation. Si nous n'avons pas éprouvé cette tristesse dont on ne se repent jamais, si nous n'avons pas confessé nos péchés d'un cœur contrit et rempli d'horreur à la pensée de nos iniquités, nous n'en avons jamais véritablement cherché le pardon. Et si nous ne l'avons jamais fait, nous ne pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. L'unique raison pour laquelle nous n'avons pas le pardon de nos péchés passés, c'est que nous ne voulons pas nous humilier et nous conformer aux conditions de la parole de vérité. Des directives expresses nous sont données à ce sujet. La confession des péchés, qu'elle soit publique ou particulière, doit être franche et cordiale. Il ne faut pas qu'elle soit faite d'un air détaché et à la légère, ni imposée à des personnes qui n'ont pas encore appris à abhorrer le péché. La confession qui jaillit spontanément du tréfond de l'âme rencontre la compassion infinie de Dieu. Le psalmiste s'exprime en ces termes « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont d'une nature délicate et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. D'autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. D'autres, enfin, sont des fautes publiques et exigent une confession publique.
Mais toute confession doit être explicite, directe, et nommer les péchés même dont on s'est rendu coupable. Au jour de Samuel, les enfants d'Israël qui s'étaient éloignés de Dieu avaient perdu la foi en sa sagesse pour gouverner la nation et en sa puissance pour défendre sa cause. Se détournant du grand monarque de l'univers, ils avaient exprimé le désir d'être gouvernés comme les peuples qui les entouraient. Leur ingratitude oppressait leur âme et les séparait de Dieu. Avant de trouver la paix, ils durent faire cette confession claire et précise: « Nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Il leur fallut confesser le péché dont ils s'étaient rendus coupables. Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n'est pas accompagnée d'un repentir sincère et d'une réforme. Il faut qu'un changement radical de la vie l'accompagne et que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la douleur réelle du péché. La tâche qui nous incombe nous est clairement révélée. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qui l'a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. » Parlant de l'œuvre de la repentance, l'apôtre Paul s'exprime ainsi: « Cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. » Quand le péché affaiblit le sens moral, le pécheur ne discerne plus ses défauts et ne se rend pas compte de l'énormité du mal qu'il a commis. À moins qu'il ne se soumette à l'action du Saint-Esprit, il demeure dans un aveuglement relatif au sujet de ses péchés. Ses confessions ne sont pas sincères. Chaque fois qu'il confesse une faute, il se hâte d'ajouter une excuse et d'alléguer certaines circonstances spéciales sans lesquelles il ne se serait jamais rendu coupable des actions qu'on lui reproche. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève furent saisis de honte et d'effroi. Leur première pensée fut de chercher à se disculper de leur faute et à échapper à la redoutable sentence de mort. Quand Dieu s'enquit de leur péché, Adam voulut en faire retomber la faute en partie sur Dieu et en partie sur sa compagne. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » La femme, à son tour, rejeta toute la faute sur le serpent, disant: « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Pourquoi? Ça veut dire, ça va ouvrir repentance. Soit fait prétexte, soit prend excuse. C'est une excuse. Je veux dire, c'est pour nous dire, c'est faute moi. C'est faute moi. Dès qu'on fait le vrai, et bon Dieu, bon Saint-Esprit, pour rappeler mon bagage dans le passé. Mon bagage, vous fait quelques années de son, pas de jamais confesser. Je dis, hein, 7 jours avec Dieu, ça a bon, une opportunité pour le fouiller. Maintenant, nous pour méditer, qu'on y a même. Méditer son bagage, vous avez fait. Méditer son bagage, vous fait semaine passée. Hein. Méditer son pratique, qu'on a, que vous pensez. Puisque vous avez le temps à faire, vous pensez l'acceptable. Reprends-nous. Demandez bon Dieu pardon. Demandez bon Dieu pardon. Et continuez pour nous la lecture. J'ai créé le serpent. Pourquoi l'as-tu laissé entrer en Éden? Ces questions impliquées dans son excuse ne tendaient qu'à faire retomber sur Dieu la responsabilité de leur chute. La tendance à excuser ses torts a pris naissance chez le père du mensonge et se manifeste chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. Les confessions de ce genre ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu et ne peuvent être agréés. La véritable repentance amène le pécheur à porter lui-même sa transgression et à la reconnaître sans fraude et sans hypocrisie. De même que le publicain, n'osant pas même lever les yeux au ciel, il dira: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ceux qui reconnaissent leur culpabilité seront justifiés, car Jésus présentera les mérites de son sang
en faveur des âmes repentantes. Les exemples de confession véritable que fournit la Bible ne contiennent pas une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute et à justifier le transgresseur. L'apôtre Paul ne cherchait nullement à se défendre. Il a dépeint son péché sous les plus vives couleurs. Il ne fait rien pour en atténuer la culpabilité. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Il n'hésite pas à dire, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Le cœur humilié et contrit, subjugué par un repentir véritable, comprendra jusqu'à un certain point l'amour de Dieu et le prix du calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu. Car il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen, amen. Mon Dieu capable, pardonnez-nous et purifiez-nous de toute iniquité. Mon Dieu nous rend bon, mon Dieu nous rend fidèle. Et je dis, on est capable d'apprécier, on est capable de demander le pardon. Demander le pardon, pardon, faute, le pardon, péché, pardon pour ça nous fait le qui mal. Au moment où on est capable de venir en présence et de demander le pardon, pardon pour ça nous fait. Et frère Nickel, à côté parti, chance à pardon, Seigneur. Pardon. Ça me fait qui m'a demandé au pardon. Oh Seigneur, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Pardonne-moi. Pour tout ça me fait qui mal. Moi, demandez pardon. Seigneur, le sang de Jésus-Christ nous lave. Le sang de Jésus-Christ nous lave. Nous demandons pardon. Nous venons confesser. Bon bagaille, nous songer, t'es fait. Mettez la mémoire, nous demandons pardon. Pardon pour péché nous fait par omission. Bagaille, nous t'es fait, nous pas fait. Ou péché par commission. Bagaille, nous fait même. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous pour penser, nous, parce que t'es bon. On est bien dans la tête. Pour toute pensée, nous, c'est ça qui fait, pour des bons couronnes qui fait sans jaillir sous, sans jaillir sous yeux, sur l'eau où est nous, papa, où est nous à travers le sang qui justifie, et sans ça qui fait que nous jeûnons le pardon auprès de nous-mêmes. Nous confesser, oui, papa, nous demandons pardon, nous consacrer nous devant au Seigneur, nous demandons pardon, pas grand-chose dans nous qui est bon, pas
pardonner péché nous, péché action, oui, péché par pensée, oui, péché par parole, oui, Seigneur, péché nous fait par négligence, oui, péché nous fait, nous te connaissons bien et puis nous allons nous faire, nous venons demander sans excuse, nous venons confesser devant, nous demandons pardon, pardon au nom de Jésus, pardonnez-nous dans le sang de Jésus, pardonnez-nous dans le sang de Jésus, amen, amen, nous venons en présence de mon Dieu, je dis, et maintenant, donc, vous faites exercice, ça. Vous allez chercher qu'on est. Qui ça? Qui dans le passé? Qui ça qui t'es mérité pour te faire tourner sous lui? Eh bien, remettre, mon Dieu, tout bagaille. Remettre-le tout bagaille. Remettre-le le jeudi, pour capable de consacrer la vie. Pour être capable de pardonner et pour être capable de jouer une justice, mon Dieu. Il est capable de la faire pour être capable de guérir ou guérir de péché. Et que je dis, il est capable de dire pour soif présence, mon Dieu. Chaque jour, à chaque heure, au besoin, au besoin, mon Dieu, ça, qui est capable, qui a fait tout pour. Et je dis, hein, c'est mon jour de confession. Nous allons attendre les serviteurs, bon Dieu, pour prier. Nous allons passer à prier ça. En nous prier avec eux. En nous prier. Et pendant que, avant nous prier avec les serviteurs, bon Dieu, qui pourra prier. Nous avons plusieurs petites, bon Dieu, qui pourra prier. Nous avons sœur, la merci d'Angers, qui pourra prier encore à midi. Hein. Nous avons également, pour midi, si là, ce nous, sœur Muriel Jean-Louis, qui pourra prier. Qui c'est diaconesse dans le district de Bénézère, qui va prier pour nous. Nous avons un frère Davidson Camou qui fait partie de l'équipe, qui va prier pour nous. Prière de confession et un sommet à prier. Et en nous rentrer pendant ce temps-là, en nous tendant les chants avec un cœur repentant. Et comme ça, c'est comme ça, je dis, on va faire. Vers Jésus, chapitre 5, l'abandon de soi-même. Dieu a fait cette promesse, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu, dont nous sommes par nature des ennemis, veut restaurer en nous son image, mais à condition que nous lui donnions notre cœur sans partage. Voici amen, comment le Saint-Esprit amen. Décrit notre... Nous devons pas, mon Dieu, que nous sans partage. C'est sa parole, mon Dieu, on dit. Et la repentance, en nous font-il aller ça. Et après ça, on va attendre la musique là. Et en nous tendant la repentance. Vers Jésus, chapitre 3, la repentance. Attendez ça. Un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu? Comment un pécheur sera-t-il pur? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible de se mettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Mais comment aller à Jésus? Ils sont nombreux ceux qui, avec la multitude convaincue de péché au jour de la Pentecôte, s'écrient « Que ferons-nous ?» Les premiers mots de Pierre en réponse à cette question furent « Repentez-vous ». Un peu plus tard, il leur dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés ». La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leur péché et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre sa vie. Mais ça veut dire, je dis, hein, c'est pas conséquence péché pour le peuple, mais c'est le péché en soi, péché en lui-même. Même Jean noté, ouais, Jonas. Elle a tombé, elle a gâté en regret, mais c'est le fait qu'elle était éloignée, elle est allée à
Tarchish. En pile là, nous prenons bateau pour aller Tarchish, pour aller loin, mon Dieu. En nous apprendre, faire confiance pour ne pas redouter les conséquences du péché seulement. Il n'y a pas bon, il est terrible. Le salaire du péché, il vit même à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant même, entre moi-même avec aujourd'hui, on est d'accord que c'est détruire le péché de tout. On l'a dit ça, on va vivre une vie de paix, de joie. On a dit oui, prends tout Seigneur, on remet les toutes bagailles. Et on fait le temps des portions de pasteur. Et il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscariot, après avoir trahi son Seigneur, s'écria « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Cette confession lui était arrachée par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur. Mais il n'éprouvait aucun remords, déchirant et sincère, d'avoir trahi le Fils de Dieu et renié le Saint d'Israël. Pharaon, au moment où les jugements de Dieu s'appesantissaient sur lui, reconnaissait son péché. Mais ce n'était que pour échapper au châtiment, car dès que les plaies s'éloignaient, il recommençait à braver le ciel. Tous ceux-là déploraient les conséquences de leurs péchés, mais ils ne s'affligeaient pas sur ces péchés eux-mêmes. En revanche, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, illumine les replis les plus secrets de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. Amen. Bon Dieu, fais-nous en horreur le péché. Fais-nous redouter le péché. La ville prier là pendant quelques temps. Mais je dis à nous, 7 jours avec Dieu, ça. Ouvrez-nous, prends la vie spirituelle au sérieux. Ouvrez-nous, Seigneur. Ouvrez les membres de Bénézer, les membres du district. Ouvrez-nous toutes nos repentances sincères. Ouvrez-nous monde à travers le monde entier, captain des prières, ça. En France, au Canada, Chili, Haïti, un peu partout aux États-Unis, dans tout État. Au Seigneur, ouvrez-nous en vraie repentance. Papa, que Saint-Esprit vous convainque nous de péché ça. Venez de nous, fais-nous un caractère terrible ça, caractère odieux du péché. Et pour nous capables de joindre grâce à tes yeux, pas quitter ton péché, je dis. Pour nous capables monter dans l'autre jour, pour nous capables sentir nous léger, pour l'autre jour qui va venir dans 7 jours ça, pour nous capables gagner confiance dans grâce, pour nous capables de battre nous tout ça, nous demander. T'en prie, papa, pardonnez péché nous. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Pardonnez-nous. Au nom de Jésus. Aidez-nous à faire plaisir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va attendre des chants à la gloire de Dieu. Et après, on va attendre des prières. Et après prière, immédiatement après prière, après chaque prière, on va chanter à la gloire de Dieu. On va demander, bon Dieu, pour prendre toute bagaille pour nous. En nous attendant des chants chantez avec nous à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes. Que bon Dieu bénisse vous-même. Son mari personnel, on m'a laissé là vous-même, même si c'est vous-même, pour qu'on te capte des moments de prière. Ça, bon Dieu, t'es réservé pour 7 jours avec Dieu. Je dis en ces confessions. On demande le pardon. On demande le pardon pour moi. On t'a oublié, on demande le pardon. On demande le pardon pour moi. On t'a demandé le pardon. On peut vous sentir allégé. Je dis en la pardonnez-vous. Et pour faire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous justifier. Bon Dieu, justifiez-vous. La justification est immédiate. Il faut demander pardon à tout cœur. Repentir, demander pardon. Et que mon Dieu est capable de laver vous. Là, on plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau. N'a plus blanc que la neige. Et nous allons gagner communion samedi, si Dieu veut. La fin, 7 jours, ça va gagner communion samedi. Là, on plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Plus blanc que la neige. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu, capable, ouvrez porte pour au nom de Jésus. Amen. En autant des chants, ça, après quoi on a passé à la prière.
7 jours de victoire, 7 jours de grâce, 7 jours en présence de l'Éternel. En ce premier jour de ces 7 jours, en ce premier jour de cette semaine des guérisons, nous allons commencer avec le psaume 20 à la gloire de notre Dieu. Psaume 20, que l'Éternel nous exauce au cours de ces 7 jours de toutes nos détresses, que le nom de l'Éternel, le Dieu de Jacob, nous protège, que du sanctuaire, l'Éternel nous envoie du secours. Oui, de partout où nous sommes, l'Éternel te souvienne de nous. Que l'Éternel se souvienne de toutes nos offrandes et qu'il agrée toutes nos prières. Qu'il nous donne au cours de ces 7 jours tout ce que nos cœurs désirent et que l'Éternel accomplisse pour nos desseins. Alléluia. Nous nous réjouirons de ton salut, ô notre Dieu. Nous lèverons l'étendard au nom de l'Éternel, notre Dieu. Éternel exaucera tous nos vœux. Nous savons déjà que l'Éternel sauve ses enfants. Il exauce des cieux par sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous bénissons à l'Éternel. Au cours de ces 7 jours, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il pluie, et il tombe, mais non,
dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, nous tenons ferme, nous resterons debout. L'Éternel sauve notre pasteur, l'Éternel nous sauve et qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen, amen, amen. Nous servons un Dieu vivant, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Papa, notre Père bien-aimé, avec joie, avec allégresse, nous sommes venus à tes pieds, Seigneur, avec une ferme assurance, parce que nous prions. Quand nous prions, ô notre Dieu, nous savons du rôle de ton ciel de gloire. Tes oreilles sont largement ouvertes, que tu nous écoutes et que tu nous exauces des cieux. Oh, quel grand secours pour tes enfants de savoir en ce 7 jours, en ce premier jour, que c'est toi qui es à la barre et que c'est toi qui tiens pour nous le gouvernail. Oui, Seigneur, nous sommes contents que c'est toi, notre ami fidèle et tendre, qui est toujours prêt à nous entendre, qui est toujours prêt à nous comprendre, à nous défendre, à nous sauver et à nous délivrer toujours. Oui, nous te louons en ce 7 jours. Nous te louons en ce premier jour de ce 7 jours pour toutes tes grâces, tes faveurs, tes compassions, tes miséricordes, Seigneur, qui ne tarissaient jamais envers nous. Merci, Seigneur, pour le sabbat passé. Merci pour toutes les bonnes choses auxquelles que tu nous as permis d'assister ou de vivre. Nous te louons, Seigneur, et nous bénissons ton saint et glorieux nom. Papa, merci pour la joie que tu nous donnes dans nos cœurs, de savoir que nous servons un Dieu vivant qui ne sommeille ni dort pour veiller à notre protection, qui soit présent dans tous les détails de notre vie. Papa, merci. Merci pour tout petit tour, la joie ce matin. Merci pour tout petit tour, la santé ce matin. Merci pour tout petit tour, libération ce matin. Merci pour tout petit tour, Seigneur, ou libérer de tous les entraves. Nous connaissons Dieu des miracles. Quand pile petit tour, dans mon marsa, au cours de ces 7 jours, qui est là, Seigneur, pour donner gloire, pour son faible, pour la vie qu'on conserve dans nous-mêmes, pour la bataille qu'on gagne pour nous, parce qu'on relève les ennemis à tes poussées, pour tomber. Papa, nous disons merci, nous bâons gloire, nous bâons louange, ou même seulement mérité. Papa, jamais qu'on bon Dieu dans nous, pendant toute l'éternité, notre Dieu, d'âge en âge, c'est toi le seul vrai Dieu, parce que même seul, qui les yeux fixés sur nous, et les nous prier, ou tendez, et ou exercez, et ou délivrez nos seigneurs. Papa, nous disons merci qu'on soit si et si présent dans notre vie et dans la vie de chaque petit tout. Maintenant, Seigneur, mes pères, pour qu'on tende un peu partout. À travers, Seigneur, cette émission, à travers ce culte, Seigneur, et où inspirer petit tout pasteur Nathanaël pour le bénir petit tout à travers par tout le monde. Seigneur, nous connaissons, nous attendons un peu partout, aux États-Unis, où il y a petit tout dans Chili qui attendait, où il y a petit tout en République dominicaine qui attendait, où il y a petit tout au Brésil qui attendait, où il y a petit tout en France qui attendait, où il y a petit tout en Haïti qui attendait. Grand Dieu, nous te louons et nous bénissons ton Saint-Nom et glorieux-nous. Nous connaissons, Seigneur, prends toutes nos prières en considération. Où qu'on ait besoin, chaque petit tout, Seigneur, nous prenons pas faire négligence avec quiconque, Seigneur. Dieu nous fixe sur vous et nous comptons sur toi et sur toi seul, Seigneur. Merci que c'est toi qui contrôle les flots. Merci que c'est toi qui contrôle les vagues et les vents, Seigneur. Dans ta tempête, que nous y est, dans ta petite touille, quel que soit dans le pays, quel que soit dans le coin, que nous y a, Seigneur, je fixe sur nous, et parole nous, et certaines promesses véritables, non, jamais tout seul, au nom de Jésus, on va jamais faire ton petit tout, tout seul, on me dit ça, papa, dans le moment ça, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous lever, petit tout, nous qui en difficulté, les fonds, Seigneur, nous lever, ça, qui est infecté à maladie COVID-19, là, Seigneur. Nous prenons même qui soit la source de guérison, qui guérit toutes sortes de maladies. Nous prenons pour l'amour de ton Saint, mon Seigneur. Au nom de Jésus, pour
témoignage qu'a écrit. Mon petit tout qui infecte, pas quitter, virus n'a fait aucun mal dans lui-même, Seigneur, virus l'a passé dans le système lui. Dans le nom de Jésus, il n'a pas quitté aucun séquel. Dans le moment ça, nous devons sacrer les calais plus lourds. Nous devons, Seigneur, sacrer dans ici au devant. Nous devons sacrer ma machine au devant, Seigneur. Pas jamais que trop tard pour l'éternel, que témoignage, que moi, quand je ma machine là qui saute, Seigneur. Nous devons témoignage, Seigneur. Les vieux, nous qui disons des la condition, qu'on mette au Dieu. J'en ai cas désespéré pour l'éternel. Papa, nous te merci. Que vous soyez aussi beau, aussi merveilleux. Côté nous-mêmes, pour nous ne pas aller, nous ne pas croire à la famille. Seigneur, même, nous sommes capables d'entrer. Au matin, nous lever, Seigneur, les cœurs attristés devant. Mon qui perdit, famille, au Seigneur. Nous venons au Seigneur. Nous t'aimons venir. Nous pas capables encore. Nous crier trop séparation, trop douleur, trop peine, Seigneur, pas de justice, pas de l'amour sous terre, ça, Seigneur. Nous voulons que ton règne vienne pour établir le royaume pour la royaume de grâce, royaume côté capable de justice pour tous, la paix pour tous, l'amour pour tous, Seigneur. Nous voulons voir ta force. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, pour sécher les larmes que tout le monde a crié. Matin, Seigneur, nous levons les yeux extérieurs devant, Seigneur. Nous trouvons au secours de cette âme. Maman, papa, qui est dans la même situation avec que Dieu, tu es jeune, Seigneur, viens donc à leur secours. Maintenant, nous lever famille qui, au cours de cette semaine, qui a préparé un thème, enfin, lever famille civile, lever famille philogène, lever famille Jérôme, Seigneur, devant, moi, je viens avec nous. Puisque nous serons avec toi pour toujours, pour toute l'éternité. Papa, bénis-nous, bénis cette chose-là. Permette, Seigneur, témoignage que nous faisons au cours de cette chose. Bah, nous, Seigneur, persévérance pour nous libérer. Ferme dans la foi, ferme dans la prière au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous pour nous qui bien plus en volonté, pour le mal est présent. Seigneur, plus de découragement, plus nous faisons mal. Aidez-nous, Seigneur, nous crabons. Reprenez à toi et de nous qui est le plus faible, Seigneur, parce que c'est toi notre bon berger, c'est toi notre seul repos, c'est toi, Seigneur, notre soutien, c'est toi notre lumière, même quand nous marchons dans la voie sombre. Aidez-nous, Seigneur, à rester attachés et demeurer avec toi. Et c'est là, non seulement jusqu'à la fin de ces jours, mais jusqu'à la fin même de nos jours. Bénis-nous de toutes les cartes du ciel avec nous. Fais-nous du bien, Seigneur, sauvez-nous, délivrez-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui règne, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Hallelujah, hallelujah, Jésus moi, viens rencontrer avec moi, besoin. Dans moi soif présence, besoin.
On demande bon Dieu pardon pour les mots. Mondre m'sam doué fè. Mondre m'sam doué di. Changez m Seigneur, changez m Seigneur. Changez moi Jean. Fais-moi gagner l'amour. Dans cette joie avec Dieu, pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te crée. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen. OK. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, et nous saluons encore, et nous avons un privilège pour nous capables de méditer sur la parole de Dieu. Le verset que nous avons lu pour nous, et nous trouvons dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. En ce midi, nous pourrons méditer sur un passage de l'Esprit des prophéties, passage que nous trouvons dans le livre, l'ouvrage écrit par la servante du Seigneur, Ellen G. White, Message choisi. Message choisi, le volume 1, c'est là dedans nous avons trouvé méditation non, pour en ce moment. Titre, grand titre en chapitre 49 là, c'est le Christ, un divin porteur des péchés. Amen. Et la méditation pour sous-titre que n'a médité sous lien, on trouve c'est un titre là, c'est un appel à la reddition. C'est-à-dire un appel pour capable accepter à rendre nous, à aller et pour rendre compte. C'est ça, ça veut dire un appel à la reddition. Alors, ma pli, passage de l'Esprit de prophétie pour vous, et nous invitez-nous capables de suivre attentivement et la lecture de la parole de l'Esprit de prophétie. Il nous faut livrer nos cœurs à Dieu pour qu'il nous renouvelle, nous sanctifie et nous qualifie en vue des parvis célestes. Amen. Trois verbes. Premièrement, bon Dieu est disposé pour le capable renouveler nous. Il est disposé pour le capable sanctifier nous et pour le capable qualifier nous en vue des parvis célestes. Mais il faut nous-mêmes nous accepter pour nous capable livrer que nous à Dieu. Amen. N'attendons pas un temps plus favorable. C'est aujourd'hui qu'il nous faut nous donner à lui en refusant de servir plus longtemps le péché. Amen.
quand nous pas bay nous à bon Dieu, nous devenus des serviteurs du péché. Et par conséquent, faut nous dégager nous jodi en même pour nous capable nous tant trop longtemps. Faut nous dégager nous jodi en même pour nous aller à Dieu. Pour nous capable pas un vrai serviteur du péché. Vous imaginez-vous pouvoir vous défaire du péché peu à peu? Rejetez instantanément cette chose maudite. Amen. Haïssez ce que est le Christ. Yes. Et aimez ce qu'il aime. Amen. Souvent, nous pensons que nous sommes capables de défaire nous du péché peu à peu. Mais lecture ça, phrase ça, alors passage ça à l'inviter, nous sommes capables d'agir instantanément. Amen. Bien vite. Yes, pour yes, nous capables haïr ça Jésus-Christ haï et aimer ça le remet. Amen. N'a-t-il pas par sa mort et ses souffrances pourvu à ce que nous soyons à ce que vous soyez purifiés de votre péché? Quand nous commençons à comprendre que nous sommes pécheurs et que nous tombons sur le roc pour y être brisés, les bras éternels nous entourent et nous sommes ramenés tout près du cœur de Jésus. Amen. Oh, m'daimer reprendre passage ça, m'daimer pour reprendre cette phrase. Mm-hmm. Il dit quand nous commençons à comprendre que nous sommes pécheurs et que nous tombons sur le roc pour y être brisés, les bras éternels nous entourent et nous sommes ramenés tout près du cœur de Jésus. Amen. C'est lorsque nous reconnaissons ça, c'est en ce moment-là que le bras du Seigneur lui entoure nous, et c'est en ce moment-là que nous sommes capables d'approcher tout près du Seigneur. Nous soyons ramenés, c'est-à-dire, c'est pas nous-mêmes qui faisons, et ça fait verbe là, si ça fait verbe ramener à lier au passif, c'est que ce sont les bras du Seigneur qui ramènent nous tout près du cœur de Christ. Yes. Alors, nous serons charmés par son amabilité et dégoûtés de notre propre justice. Il faut nous approcher du pied de la croix. Plus nous nous humilierons là, plus sublime nous paraîtra l'amour de Dieu. Amen. La propre justice ne servira à rien. C'est pour nous capables humilier nous devant Dieu. Et lorsque nous humilier nous devant Dieu, eh bien, ce moment-là, nous avons senti son amour sublime qui apparaît devant nous. La grâce et la justice du Christ ne seront d'aucune utilité à celui qui se croit en santé, qui se juge suffisamment bon et qui est satisfait de sa condition. C'est ça nous a révélé la propre suffisance spirituelle. Hélas. La propre suffisance spirituelle fait nous comprendre que nous en bonne santé. La propre suffisance spirituelle fait nous croire que fait nous juger nous comme bon, suffisamment bon. La propre suffisance spirituelle, eh bien, il fait nous satisfaire de conditions nous. Et ça qu'on porte nous à comparer notre vie à celle des autres. Hélas. Et parce que nous croyons que nous bons, nous croyons que nous sommes satisfaits de notre condition et nous comparer vie nous à l'autre monde. Eh bien, si je reprends une phrase ça pour nous, c'est que il dit la grâce et la justice du Christ ne seront d'aucune utilité à celui qui se croit en santé. À celui qui se juge suffisamment bon et à celui qui est satisfait de sa condition. Pas de place pour le Christ dans le cœur qui n'éprouve aucun besoin de lumière et de secours. Pas de place pour Christ à aucun cœur qui n'a pas éprouvé besoin. Pour capable recevoir, faut sentir le besoin. Faut rendre, et ça fait titre là dit un appel à la reddition. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux.
moun ki aksepte cet apel a se rande a Dieu, eh bien, moun sa li konsidere kom le pauvre en esprit. Et Jésus-Christ dit, ce pauvre en esprit héritera le royaume des cieux. Un pauvre en esprit, c'est celui qui se consacre, qui se consacre à Dieu, celui qui reconnaît, c'est celui qui reconnaît que en pas propre lui-même, n'est pas capable de faire rien. Amen. Et puis qui aller à Dieu, à ce qui abandonner à Christ pour capable trouver et le pardon, pour capable trouver le chemin du salut. Il y a une plénitude de grâce en Dieu. Nous pouvons obtenir une large mesure de son esprit et de sa puissance. Ne vous nourrissez pas des gousses de la propre justice. Mm-hmm. Allez plutôt au Seigneur. Amen. Nous comme ça gousse la lui dit. Et monde qui nous même qui connait parler des gousses pois et c'est pas nous ou des gousses de la propre justice pour dire bon moi même moins bon. Mais allez plutôt au Seigneur. Alléluia. Il vous réserve la plus belle robe et ses bras vous sont ouverts. Amen. Le Christ dira, ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-le des vêtements magnifique. Amen. Nous rappelons lorsque Josué était paraît avec ses habits sales, eh bien, bon Dieu t'a ordonné pour que ses habits sales de Josué soient enlevés et pour que tu sois capable de revêtir des habits propres. Eh bien, c'est ce que le Christ promet à ses enfants. Ôter les vêtements sales et revêtir mes enfants des vêtements magnifique, des vêtements propres. C'est comme ça que nous capables arriver à trouver le pardon de nos péchés. C'est comme ça nous capables arriver trouver et éprouver ou bien goûter de l'amour de Dieu. C'est comme ça nous capables trouver aussi et nous capables goûter la grâce et la justice du Christ si seulement nous reconnaître que nous pas capable satisfaire de notre condition. C'est seulement si nous reconnaître que nous pas capable déclarer nous bons, parce que seulement à son poisson pour capable bon, c'est lorsque ou aller à Jésus-Christ, notre avocat, notre justice. Amen. Que le Seigneur et bénisse cette partie de l'esprit de prophétie que nous sautons pour vous. En ce moment, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Nous pouvons prier et nous avons introduit un moment de prière avec deux couplets de chant. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Et qui sans toi ne peut guérir, je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Ô mon céleste frère, j'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueraille en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Lave mon âme impure. Amen.
Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Papa non, qui dans ciel là, en ce moment, en ce midi, nous retournons dans pied haut. Les nouées est annoyé. Et les nouées ça qu'a passé dans monde ça. Qui pas offrir nous rien du tout. Seul ça qui gagne là-dedans, c'est souffrance, c'est tourment, c'est confusion, c'est problème à droite, à gauche. Nous rendons nous compte papa, nous pas gon l'autre côté pour n'aller que vini dans pied haut. Mais nous pas qu'à venir janouyé. Nous rempli en pile foi. Nous chargé, nous posséder, nous gain tout en qualité de bagaille qu'à projeter nous, qu'à projeter la vie nous. Orgueil, maladie de plein moi-même. Maladie, jalousie, maladie, ambition. Maladie, oh toute qualité maladie ça yo ka plonger nous. Seigneur, nous vini côté au nan moment ça. N'a mande de grâce, gen pitié de nous. Nous tellement sale, nous tellement pas propre. Et puis Seigneur, plein péché couvri nous. Yo bonne plaie tout ouvri. Yo pas bandé. Yo pas nettoyé, yo tout ouvri. Nous besoin la guérison. Nan yon monde tête chargée, nan yon monde tête en bas. Li indispensable pour nous vivre sans puissance l'esprit. Sans pas prendre contrôle la vie nous. Sans nous pas purifier, sans nous pas nettoyer. Nous vinn côté à midi, nous besoin laver. Nous besoin nettoyer. On va nettoyer bouche nous. On va nettoyer, on va laver, nettoyer penser nous. On bonne bagaille cap monter dans tête nous qui fait l'esprit nous aller tête en bas. Au lieu pour nous marcher pour nous faire volonté en pile fois n'a gonflé, n'a bombé l'estomac nous plier que c'est ou même seul qui gagne contrôle. Papa Seigneur, nettoie pensée nous, nettoie yeux nous, nettoie oreilles nous, ça n'attendait. Gon bonne bagaille n'attendait qui fait l'ennemi qui pouvoir pour le rentrer, li prend ti chaise balle, li chita dans la vie nous. Gon bonne bagaille au lieu nous prend bible pour nous lire, nous gon paquet chaud devant télévision. Nous rentrer dans un computer. Oh Seigneur, n'a demandons de grâce pour nous seulement. Ou va passer pour purifier nous. Ou va purifier petit nous yo. Devant computer yo, ti moun yo gade toute qualité bagay. Ti moun yo possédé. Yo nan kay la nou pa gen contrôle de yo même. Yo nan kay la yo tout bête parce que Seigneur. En pile fois, nous perdu de voix nous en tant que parents. Ti moun yo pa gen aucun contrôle. Yo rentre nan chambre nan yo lòk li. Yo rentre dans chambre nan yo fermé a fait toute qualité bagay. Seigneur, n'a mande pardon pour irresponsabilité nous. N'a mande pardon pour erreur nous devant devoir que nous ta droit faire dans famille. Ça nous ta droit faire pour ti moun yo et puis ti moun yo a dégringolé là nan men nous. Nous même parents n'a parlé de façon drôle à propos des responsables d'église. Les timouni arrivés, Seigneur, y a pas aucun respect pour les dirigeants de l'église. Y a pas gagné aucun égard pour personne. Et qui ça n'a fait, n'a fouillé propre tout nous. Parce que les fini n'ont pas respecté nous. Et on prend la gueule dans la rue. Comme ça, on est en prison. Comme ça, on est en prostitution. Comme ça, on est toute bête, Seigneur. N'a pas demandé pardon pour toute bagaille, ça y est. Tout péché, ça y est, Seigneur, dans la famille. Marie n'a pas les madame mal. Madame n'a pas les mari mal, Seigneur. Si son sans amis, nous raconter tout ça dans la vie foyer. Seigneur, gon bonne bête qui a plongé la vie nous. Gon bonne bête qui a plongé la vie foyer nous. Gon bonne bête qui a plongé nous dans l'église là. Jésus. N'oubliez que c'est des serviteurs nous y est.
Nous nan love maintenant pour yon même cause. Oh papa Seigneur, nous yon parfois discuter à l'autre, nous yon a révolté contre l'autre. Ou bonne bagaille qui pas supposé dans la vie non, parce que Seigneur, non sens Satan utilisé selon Jean nous conduit tête nous, selon Jean nous manger, selon Jean habillé, selon Jean a vivre Seigneur, il rentre il prend place, il prend position. Au chaudier nous vient demander la sanctification, nous vient demander purification, purifiez nous, que l'esprit est capable prend place dans la vie nous, que l'esprit est capable prend position dans la vie nous, que l'esprit est capable prend position dans la vie famille nous, si l'esprit a dirigé nous tout bon, si c'est lui qui est au centre de notre vie, nous pas parler même gens encore, nous pas agir même gens encore, on a travaillé là n'a pas odeur Jésus, n'a pas les même Jacques Jésus, là nous passons côté à ouais l'image du Christ dans nous mêmes Seigneur, nous fait ça pas fort plaisir, nous fait ça pas bon, n'a mado pardon pour péché yo, n'a mado pardon pour ça nous fait qui pas bon, nous quitter route là. Retirez-nous sous mauvaise voie, mettez-nous sous la bonne voie, Seigneur, parce que nous pas capables de vivre dans le monde ça, Seigneur. Monde déjà tête en bas, et puis nous-mêmes, nous vivons, nous marchons tête en bas, même j'ai un monde. Aidez-nous faire la différence, aidez-nous capables de parler pour vous, aidez-nous, Seigneur, pas fermer bouchonnel où ils vont côté. Nous tellement qu'on série de conduites qui parlent en harmonie avec volontaire, nous pas capables de porter message, là, Seigneur. Transformez la vie nous, changez-nous, purifiez-nous encore, sanctifiez-nous, bannez-nous la puissance de l'esprit, tandis que nous sommes ensemble avec vous, permettez que les nous descendions l'autre monde, nous changer, transformation qu'a fait dans la vie nous. Bénis-nous Seigneur, bénis-nous moi encore, sanctifiez-nous, remplis-nous avec la puissance de l'esprit. Nous prions, nous pas gagner qui bon, mais nous prions au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen, amen. 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 Dans la vie, transformez-moi dans les gens qui voulaient. Moi, vini présenter devant toi. Exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple. Ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays, guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies, viens rétablir ce guéris ton peuple
miséricorde, viens restaurer ce pays, guéris ton peuple. Seule nous suffit, oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit, oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Seigneur, moi vine devant pour moi mander au pardon pour ça me fait qui pas bon. Moi connais ou pas prêt pousser. Moi coupé bien bas. Connais ma joine faveur. Grâce ou seulement si fait. Compassion seulement besoin. T'en prie pardonnez-moi. T'en prie restaurez-moi. En pile fois dans vie moi offensé. Seigneur dans l'amour pardonnez-moi. Seigneur pardonnez-moi. M'appendant restaurez-moi. En pile fois dans vie moi offensé. Seigneur dans l'amour pardonnez-moi. Pour moi, mander un pardon. Pour ça, me faire que pas bon. Moi, connais un peuple pour ça. Moi, coupé bien bas. Connais ma jeune faveur. Grâce ou seulement suffit. Compassion seulement besoin. T'en prie pardonnez-moi, t'en prie restaurez-moi. En pile fois dans vie moi offensé. Seigneur dans l'amour pardonnez. T'en prie pardonnez-moi, maman d'en restaurez-moi. En pile fois dans vie moi offensé. Seigneur dans l'amour pardonnez-moi, pardonnez-moi,
nan l'amour.